comme une meute de loups en chasse. Le vent hurle dans le gréement. La mer dresse des vagues hautes comme des collines mouvantes, avides comme des ocres. Contre toute raison, l'équipage de Gaulvars garde la voile haute. L'indicateur de vitesse est bloqué à 20 nœuds. 33 export est à quelques dizaines de milles, en route lui aussi pour le Cap Horn, tout proche. Qui passera en tête? La bagarre se poursuit à la limite de la folie. Lancé à toute vitesse, Gaulvars percute une vague et amorce un retournement complet. Oh putain de merde! L'équipage reprend le contrôle du bateau, étaye le mât tordu dans le chavirage et aussitôt renvoie de la toile. Les gardes gaulois sont caporniers. Trois d'entre eux pour la seconde fois. Les deux tours du monde que j'ai fait, à chaque fois, on est arrivé dans une période d'élection. Et effectivement, ce qu'on peut remarquer, comme ça, quand on revient de mer, c'est que les choses ne changent pas. Trois ans, quatre ans après, on retrouve exactement les mêmes problèmes. Et finalement, on s'aperçoit que ces problèmes-là sont peut-être moins importants qu'on pourrait le croire. Quand on reste continuellement à barboter là-dedans. D'après le classement au handicap établi par Loïc, Gauloise est premier. Cap Horn est le sommet du voyage. Il marque la fin de la descente dans le sud. La route va remonter maintenant vers le beau temps et la tiédeur des tropiques. Malgré leur bateau au roulis dément, les équipiers de Japy Hermès arrivent eux aussi au Cap Horn. L'honneur de doubler le roc revient à Bénédicte, la fiancée du patron, Jimmy Vian.
Fenwick 6, toujours en tête, entame la dernière partie de l'étape. S'il continue à cette vitesse, Rio n'est plus qu'à 10 jours. Incrédule et meurtri par sa disqualification, l'équipage poursuit son effort, la rage au cœur et l'amertume aux lèvres. Cétacé de 7 mètres de long, accueille Gauloise pour son retour dans l'Atlantique. Ce sont des globicéphales, ainsi dénommés à cause de leur tête bombée. Mais cette compagnie est plutôt inquiétante. Leur masse de plusieurs tonnes pourrait couler le bateau. C'est déjà arrivé. Pour tenir leur mince avance sur 33 exports, les équipiers de Gauloise doivent chercher sans cesse les combinaisons de voilures les plus performantes. Sympathique lanterne rouge, Japier Hermès est mené par une équipe de véritables amateurs. Malgré les performances médiocres de leur bateau, ils continuent, l'optimisme chevillé au corps. L'important est de participer. Alourdi de senteurs épicées, la brise expire à l'approche du tropique. Cherchant à emprisonner le moindre souffle dans ses voiles les plus légères, Fenwick 6 se traîne vers l'arrivée. Voici Rio. Avec 2 jours d'avance sur Condor, Fenwick 6 prouve à nouveau qu'il est, sur les grandes traversées, le bateau de course le plus rapide du monde. On ne respecte pas le rôle d'équipier, et en fait, qu'est-ce qui gagne une course? C'est une équipe.